Est-ce que c'est un jeu d'horreur? Ça dépend si t'as peur du film Seul au monde. J'ai pas l'impression. Si t'as déjà eu peur devant le film Seul au monde, c'est un jeu d'horreur, oui. J'ai envie de laisser cette musique qui est très, un Oui, peu bah si stressante. c'est pas de musique et si c'est de l'ambiance, je suis d'accord. Ouais, on va voir, hein. Ne pas confondre musique et musique d'ambiance. New game, on perd pas de temps. Et on peut le mettre en français, oui, tu seras gentil. Damien. Attends, coopérative? Attends. Attends, attends, quoi? Y'a un mode coop! Mais non, mais il disait que ça jouait qu'en solo, c'était quoi ça? Y'a un mode coop, Damien! Mais non, mais regarde, regarde! Regarde! Attends, je regarde, je regarde. Oh, oh god damn, on aurait peut-être fait tout ça pour rien? Non, mais pas du tout, jamais. Non. Un Un joueur. joueur! Un joueur. Bah pourquoi C'est Bah des vas-y, par enculés! curiosité, clique sur coopératif parce que ça me. Attends, attends, il y a marqué quoi? Two player machin, on fait? Two player coopératif? Mais. C'est sur la même machine ou... Bah Not si all c'est en. players have a controller assigned. Ah, je crois que c'est genre sur le même PC du coup. Bah attends, dans ce cas-là. In the input menu. Attends, vas-y, on va tester, hein. C'est trop bizarre, Ouais, on dans va ce cas, jouer sur on le joue dans même la manette. écran. Genre... Non, je crois pas. L'écran est Contre séparé en deux, parce que P1. c'est. Keyboard and mouse, P1. Bah, ça a pas l'air de marcher très bien. Attends, j'allume ma manette. Ouais, je crois que c'est pas très au point leur machin. Et en plus, jouer à deux sur le même PC là, je vois pas le Bah, principe. c'est à l'ancienne un split screen comme sur la GameCube ou c'est. Bah, peut-être, ouais. Par contre, faut qu'elle se calme la musique. Un peu vénère. Bah, dans le doute. Dans le doute. Ouais, mais genre. Parce qu'il m'a dit, faut qu'on règle dans. Ah, voilà. P2. Ok, t'as une manette branchée toi? Non, mais je peux en avoir une de branchée. Bon, on va voir, on va voir. Bouge pas. On va Ouais, voir ce c'est que bon, elle est c'est, mais branchée. du split screen en vrai, j'ai pas envie, mais bon. On va voir. Let's go. Attends, attends, t'as pas mis. Mais non, mais il a pas mis en français ce con! On peut mettre en français? J'arrête pas de te le dire depuis tout à l'heure, t'étais même sur l'anglais, je t'ai passé dessus. Moi j'adore l'anglais. Ouais, je vais changer. Ah, c'est Waouh. vraiment ça. Là je peux bouger. Et Alors, là attends. je peux bouger. Alors, moi, je peux. Ma manette marche pas, mais je peux contrôler le joueur de gauche. Oh, je vais devoir jouer à la manette. Alors attends, Quel par contre. enfer. English. Comment on change? Comment on change? Je suis pas sûr qu'on puisse changer, attends. Thomas, comment on change? Je suis pas sûr qu'on puisse changer là. Ah, tu vas aller vérifier qu'il est dispo en français? Ah, mais c'est vraiment de la merde. Français non supporté, juste anglais, ouais. Juste anglais. Mais nique sa mère, putain, je... Oh, je vais jouer à la manette. Oh. Attends, ah oh. Ah, il faut que t'es pas en QWERTY. Ok, attends, c'est bon, je passe en QWERTY. D-pad down to open. Ration. Après, c'est quand même, on a quand même l'opportunité d'avoir Parsec qui nous permet de jouer à deux en local. Oui, c'est assez C'est quand stylé. même logique dans le monde du gaming. Oh, je me suis assis dans le bateau. Mais alors, tu peux ramener le bateau ou pas? Bah T'as je déjà sais pagayé? pas. Attends. Là j'ai une ancre. Arrête. Oh c'est de la merde. L'ancre, non, ça sert à rien. Là... Non, je Y'a crois pas. un requin qui bug d'ailleurs. Je crois pas que je puisse bouger le bateau. Par contre, il y a peut-être du loot sur ce bateau derrière là. Ah oui, il y a peut-être du loot ici. Oui, il y en Mais a. bien sûr que si, tu vois, regarde, j'ai une pagaie. Ah, Bon, alors, par contre, pour t'as ça. trouvé une pagaie? Comment t'as fait pour avoir ta pagaie? Il est 9h54. On est le 11 décembre. Super. Elle était où ta pagaie? Elle était sur le côté du bateau de sauvetage. J'ai trouvé Bon, en fait, un marteau. c'est immonde. Je pense que tu vas jouer tout seul. Rien que les niveaux esthétiques, c'est. En vrai, je serais plus d'avis de jouer tout seul, hein. Ça a l'air Ouais, chiant comme la faut jouer mort, solo hein. parce que là, la moitié d'écran. Genre, c'est con parce qu'ils auraient pu juste faire ce mode-là, mais Online online. quoi. Ouais, c'est un peu pété, je pense, autant qu'on se concentre tous les deux sur un grand écran bien joli là, parce que... En Voilà, ce que plus, moi le je me jeu est dis, pas la VOD dégueu. là, elle va être dégueulasse. Non, ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. Ça fait mal au crâne. Ouais, j'ai mal aux yeux. Ouais, ok. Bon. Ouais, c'était même moi à jouer là, c'était horrible. Ok.
On peut pas mettre en français cette merde, c'est con, hein. Je vais réessayer hors jeu, mais... 6 ans qu'il est sorti le jeu et... Pas moyen de l'avoir mis en français. Peut-être pour ça qu'il a des reviews négatives. Ah ouais. Ah, je vais laisser cette manette là où elle est. Ah, très bien. Ouh. C'est du bien. Ah bah en plus on a Alors, le droit. déjà on a une intro, ça c'est cool. On est riche? On est grave riche parce que c'est un jet, hein. Je suis désolé là, on est vachement riche. Tu sais ce qui me manque moi dans ma vie de youtubeur, c'est d'être jamais monté dans un jet privé. Bah en fait tant qu'on l'aura pas fait, voilà. Ouais puis finalement je crois que je vais pas envie de le faire. Hormis cet épisode, c'est vachement bien. Regarde le pilote il stresse pas du tout. Ouais il est tranquille. Attendez je vais rétablir la situation, c'est tout est normal. Est-ce que vous avez de la patex là pour reboucher le trou? Ah oui, il est gros le trou. Non mais là tu meurs là. Non. Ok, alors... vite, prends du loot avant de sortir. Plein de loot. C'est faux, c'est faux, c'est faux, sort, sort. What the fuck? Je ne peux pas faire échappe pour régler le son. C'est très très fort. Voilà. Oh. Oh. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Plus le temps passe, plus ma review va être très salée. Alors là, j'ai pas aimé ce qui s'est passé. Déjà, c'était extrêmement fort. Oui. Alors, qu'est-ce que... Donc c'est pour ça hein, le plutôt négatif encore une fois. Mais c'est parce que quand tu regardes les images de gameplay du jeu, le jeu est magnifique. Hein. Non mais bien. Juste là, c'est ça ressemble à un crash. Ouais. Bah, dis donc. Bah on va faire Alt F4. Est-ce que Thomas s'il avait crashé comme ça lui aussi? Je ne crois pas. Ah même Alt F4 ça marche pas. D'accord. Je suis sûr que dans Non, je vais pas m'avancer parce que le jeu est depuis longtemps, donc il y a plein de gens qui vont jouer et vont me contredire. Donc, je vais changer ma formulation. Je pense qu'il aurait été possible que les développeurs mettent un Easter Egg où t'as un ballon Wilson dans le jeu. Retenez cette phrase. J'attends maintenant qu'ils me disent non, non, absolument pas. Non, c'est faux, voilà. Voilà. Pourquoi j'ai changé ma formulation. Non, tout... Déjà, on va se mettre en ultra, je comprends pas pourquoi on n'y était pas. Je trouvais ça moche bah, le jeu alors que le jeu était dégueulasse. Le jeu était dégueulasse ouais. Alors que je pense qu'il l'est pas. On va bah, bien baisser le son parce que c'est extrêmement fort. Et pourtant il est pas. Le master volume il est à 34, ce qui est bizarre. Bah ouais, puis ça sert à rien que je fasse ça. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous arnaquer. On y va. Putain. Et là le problème c'est qu'on va se retaper le chier, le quoi. Crash. Bah, je sais pas. Oh, tout ça, ce n'était qu'un mauvais rêve. J'ai rêvé que j'avais crashé, aux deux sens du terme. Mais tout va bien finalement. Oh là, par contre, ta qualité ultra, je crois qu'elle te fait laguer un peu, non? Ou alors c'est mon parsec? Non, moi je suis bien. Oh, je suis pas fluide. On se détend, hein. On sait qu'on n'est pas mort. Est-ce qu'il vous reste un verre de whisky? Est-ce que vous avez des boules caisses s'il vous plaît? Un petit coussin pour la nuque. Parce que là, ça fait atrocement mal avec l'avion incliné. Ça oh. Secoue. Mais putain, mais genre... Ah, la vache ça... Vite, sors par derrière et monte dans la boue de sauvetage là, pour tourner plus le son. Mais... Je suis bloqué. Bon, on va sortir par le trou. Je peux pas bouger! Ah! Retour en classe à faire. Là
d'accord que le jeu n'est pas en ultra. C'est pas possible. Il y a un peu... Franchement, il y a... Ah. Bon, oh. Arrêtez votre arnaque, là. Ah. Merde. On est en ultra. Bon, bah, c'est ultra. Bon, après, là, ça va. Alors. Des rations... Une boussole, des bandages. Bon, tu survis, ça te dérange pas, je vais manger des chips. Non, mais y a pas de problème, hein. Ça c'est le mercredi, vous savez. Du coup, comment t'avais sorti une... Ah bah, elle est là. Voilà. Ah. To operate. Ah, il est derrière le bateau. Voilà. Moi aussi, il y a un bateau ici. C'est que cette île est connue. C'est qu'elle a déjà été explorée. Et qu'on va elle y trouver des choses. Oh non, moi je pense en survivre en fait et à partir. Ah, c'est pas la même chose que le toit. La dernière fois, j'ai eu un marteau. C'est donc dynamique. Ça alors, j'en reviens pas. Il y avait que ça, ok, y a pas de cale. Oui, allez, hop. Oh, oh, je suis bloqué. Mais c'est moi ou ça doit être pas facile à conduire ce truc là? Non, bah non, parce que là. Putain, mais dans quel sens je suis? Qu'est-ce que je fais? Je suis coincé sur cette barre en fait. Putain, mais casse-toi, merde! Bon, je crois qu'on a pu, on a déjà plus notre petit navire. Ça fait deux fois que je conseille un jeu de merde. Putain, mais... De mercredi de suite. Bon, on y va à la nage. Nique sa mère. Oh, non, on va avoir besoin de ce bateau. Ouais, bah, tu l'oublies. Ah. Oh non, mais vas-y, mais aussi... Ça m'énerve, tu vois. Hop, bug, punition. Direct. Tu te sens vraiment comme une merde en tant que joueur. J'aurais dû lui mettre un paf coup de pagaie. Ça c'est une fleur très rare déjà pour commencer. Très très rare. Aïe. Bah voilà connard. Ah putain, elle est très rare. Elle fait mal au cul. Alors bon, attends, on marche pas. Suppose, on doit survivre donc on doit commencer les trucs basiques. Bah déjà, des cailloux. Oui, mais moi je marquerai SOS sur la plage avec des cailloux ou des bouts de bois. Putain, il a déjà des grosses idées. Tarpe. C'est une bâche. Il y a de la place dans ce sac à dos. Hein. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Je sais pas ce que j'ai ramassé. Ah, plus de place. Ok, alors déjà c'est pour le crafting menu. Stone tool. Voilà, t'as un couteau ma foi. Il va falloir que je jette des trucs. Bon, pour l'instant, on a pas besoin d'un. Pas besoin de ça. Paf! Je me coupe la main pour avoir plus de place. Toutes les parties de véhicule, on va les laisser là pour l'instant. Hein. Mais est-ce qu'on va crafter quoi? Ah, un bateau à moteur! Avec quelle essence, yep. Fils de pute? Bah ouais. Crafting. Un banc. Franchement, c'est vraiment le mec. Il sait qu'il va rester là longtemps, le premier truc qu'il fait, c'est un banc. Il va falloir s'asseoir à un moment quand même. Pourquoi j'ai ce truc à droite là? Voilà, à mon avis, tu peux le crafter, mais t'as pas les matériaux pour. Ah, justement, je crois que là-dedans, c'est tout ce que je peux crafter. Et là-dedans, c'est tout ce que je ne peux pas crafter. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il va nous falloir des outils. Bon, perdons pas de temps, allons chercher. Non, par contre, tu. Non, mais. Casse. Oh putain, ça va m'énerver. Alors, on y va. Oh putain. Oh, je vais m'énerver. Oh, le petit mais bateau. Mais il y a combien de bateaux autour de cette île là en fait? Mais il y a des gens, on va rencontrer des gens là. Finalement, c'est une île très, très habitée hein, peut-être. Peut-être qu'ils sont tous là en train de faire la teuf. Hein. On y va? Ouais. Oh que... On va bouffer du crabe. C'est bon les crabes. Hein. C'est très bon le crabe. Allons explorer un peu le centre de l'île.
Mais là il fait beau, écoute, mais il faudra se mettre à l'abri et construire un truc, non? Oh merde hein. Un bâton. Putain, l'inventaire ça va être Attends, mets tout au même endroit. Oh, ça va être chiant. Tout ce que tu trouves en fait, mets-le au même endroit. Tu sais, tu rassembles, tu fais un petit tas. Ah mais t'as posé le banc? J'ai fait un banc en fait. Genre, le crabe m'a fait mal. Comment c'est possible? Ok, le crabe m'a défoncé. Donc là t'as fait un banc là. Crabe, craft, a refined knife. Attends, je peux même faire un super banc en métal. Alors, c'est quoi qui veut? Refined knife, donc il faut de la corde. Un bâton, ok, donc la corde il va falloir Non c'est pas ça. Il va falloir des feuilles. Ouais, des feuilles. Bah vas-y, on va... Juste, je vais... Jette des trucs. Je vais jeter des machins. On a une boussole qui sert à rien. Ouais, ah, en quoi ça va t'avancer sur cette île? Non, pas à grand chose. Hein. Savoir où je suis, j'en ai un peu rien à foutre. C'est de la lavande. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de lavande. Là, du yucca. Ça se coupe, c'est peut-être ça là. C'est très efficace. Ah, ah ça l'est. C'est bon. Voilà, je vais faire de la corde avec ça. Mais attends, mais t'es trop limité dans le temps parce que vu la taille de l'île, tes ressources ne vont pas pousser avant des mois. Oh. Bah, il te faudra un sac à dos. Bah, je crois que c'est mon sac à dos. Hein. Je suis backpack, ah. Ouais. Backpack. Il te faudra un camion de transport. Du coup, j'ai de la corde, j'ai plein de trucs là. Qu'est-ce qu'il me veut? Un bâton. C'est quoi ce bâton là? J'avais pas récupéré un stick. Tu l'as pris ou t'avais plus de place? Ah, j'avais peut-être plus de place. Merde. Oui, il y a des mouettes à la con là, je peux te dire que... T'oublieras pas de récupérer ta corde hein. Je l'ai ma corde là. Ah. Oh, alors réfléchissons bien. Refined knife. Bah, il me demande de faire ça donc. Ah, c'est la... J'avais même pas vu qu'il y avait une mission. Mais après, je peux faire plein d'autres trucs. Vas-y. Ok. J'en ai deux. Oh bordel, putain. Pourquoi ton nom faut faire deux? C'est moi, en fait tu cliques et ça te fait même pas de confirmation ou ça te fait même pas de temps de chargement, ça le fait juste. Craft okay. Campfire. Fire pit. Ça doit être marqué campfire. Ah non, même pas. Campfire. Il faut 4 sticks. Wood sticks. On peut pas faire des wood sticks. À partir de la planche? Ouais. Je pense si t'as un couteau. Ah, peut-être qu'il faut une hache pour pouvoir séparer les planches en wood stick. Je vais voir s'il y en a pas quand même sur l'île. En tout cas, ça, genre ça, ça me donne là. Un peu de vacances. Non, mais appuie sur E tout simplement. Non, non. Pourquoi il a son brillance blanche? Parce qu'on peut le taper. Parfait. Campfire. On va le faire où? Choisis bien. Bah, en vrai, là où t'es, c'est bien. Bah, ouais, c'est bien. C'est là où on a toutes nos ressources et tout. Il faut. Kindling. Ça, je sais pas. Alors, ce que par c'est. Contre, s'il y a des noix de coco à manger, les mange surtout pas. Pourquoi? T'as vu une émission sur les noix de coco? Non mais ça donne la chiasse. Oh, est-ce que c'est si grave d'avoir la chiasse? Bah quand tes ressources sont limitées sur une île déserte, oui. Oui c'est vrai que avec les bacs, tu sais tu peux vite choper une maladie très grave ouais, vous et mourir de la chiasse. Je suis mort de la chiasse. T'imagines, y a déjà, dans l'histoire de l'humanité il y a déjà plein de gens qui sont morts de la chiasse. Ouais ouais je pense. Ça serait très triste pour eux. Kindling, c'est du petit bois. Oui, pour raviver un peu le feu. Use the kindling on the campfire. Vas-y, Qu'est-ce que... Tu vas me frotter ça, là? Allez, tu me frottes ça. Ça frotte. Attends,
Mais tu te frottes le sgeg là, non? Oui, c'est contre mon nombril. Je l'ai mis dans mon nombril pour le caler. C'est dégueulasse. C'est quoi ce bordel? Ça a marché. Ah, c'est n'importe quoi. F to show your survival watch. Il est. T'es myope ou quoi pour regarder d'aussi près? Quelle heure il est? Eh, j'ai déjà une maladie de peau, non? Bon, mais ouais, c'est ouf, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. T'as des coups de soleil et t'es bourré de pustules. J'ai des coups de soleil de ouf. Ta main elle est boursouflée en plus. Oh, j'ai très faim. J'ai très faim. On a crab, tout ce qui knit. Bah non, mais je l'ai déjà fait. C'est quel genre d'assistana quand t'as besoin d'une montre pour te dire quand t'as faim? Faut que je regarde ma montre. Not tenos. Quoi? Je veux juste. Ok. Un crabe, s'il vous plaît. Bah, t'en as récupéré plein tout à l'heure? Ouais, ouais, mais là ils veulent que je leur fasse quoi. Oh là 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 là. Putain. Eh, vous retrouvez pas sur l'île déserte, c'est moi qui vous le dis, ça va être chiant. Hein. Il y en avait des crabes. Ah, ici. Bon. Salope. T'as plus de place. Oh. Oups. C'est quand même con, je quête des crabes. T'inquiète, je sais qu'ils sont là. Tu peux pas les stacker. Si, oh. Ouais, je vais tous les découper en fait. On va se faire un repas de roi. Alors je savais pas que ça ressemble à ça de la chair de crabe, mais On dirait un bistec, mec. Hein. C'est un peu bizarre. On dirait que t'as déplacé un bœuf. Vous trouvez un gros steak. Nice. C'était inattendu, mais c'est une bonne surprise. Drop. Tu vas pouvoir te faire des bâtonnets de surimi. C'est pas très bon, surimi, putain. Oh, avec de la mayo. Drop. Q. And drag. D'accord. Comment ça me saouler là? Mon bah, couteau. Bravo. Non. Non. Pique. Faut trouver une noix de coco, tu vois. Oh non, c'est pas vrai. Si. Mais mec, mais tu vas te vider. Oh, c'est quoi ça? Il faut les lancer. Ça, c'est pas une noix de coco. Lance ton coup. Bah si, c'est une noix de coco, ça. Ça ressemble pas vraiment à noix de coco que je connais, mais... Alors, t'es au courant que autour de la noix de coco, il y a des trucs. Genre, c'est pas une boule marron, la noix de coco. Pourtant, c'est vachement robuste, on dirait que c'est assez comme coquille. Non mais oui, mais je veux dire, autour. Ouais. Il y a un truc à la base. Il y a ça, là? Ce qu'on a vu? Ah merde. Bah, par contre, là, y a je sais pas rien. Si c'est ça, mais en tout cas, oui, il y a un truc. Ça. Hop. Attends, il y avait des trucs. Ah, coconut. Bon, oui. Bah, il y a ça alors. Oui, parce qu'en fait, ça tu l'ouvres et c'est à l'intérieur que t'as la boule marron poilue. Ouais, non, mais je vois bien. Mais la boule marron poilue, pour moi, elle était bien assez coriace pour ne rien avoir besoin d'autre. Mais bon, apparemment, non. La nature a décidé de mettre. Tu n'avais donc jamais vu de noix de coco pour de vrai? Mais non, je suis pas allé en vacances dans les îles, moi. Moi, j'étais en Guadeloupe. Ah, ouais, non, je suis allé nulle part. Pick, open, and drink. A coconut. Alors, comment faire? Je vais la dropper par terre, je sais pas. Et tu la piques. Ah, ça y est! Ah, celle-là, je la connais! Ah, mais ça, c'est une coconut! Alors, ça, maintenant, oui, d'accord, là, c'est une coconut. Il faut faire un trou dedans pour boire maintenant. Pour manger la chair. Oh! Ok. Craft a shelter to save your progress. Alors. Oh putain! Une corde! Une corde, 4 feuilles et 3 bâtons. Une corde, 4 feuilles et 3 bâtons. C'est parti pour la 12. On y va. Ça, c'est bien ça. Du yucca. C'est aussi une application mobile pour voir l'état de ce que tu manges dans les supermarchés. C'est sponsorisé ce que tu dis ou pas? Non, mais s'ils veulent me sponsoriser, pas de soucis. Très bien. D'ailleurs, Carrefour a sorti la même application. Alors, Carrefour, j'ai une corde. Est-ce qu'il me faut plus de... Ah, c'est quoi ça comme type de... C'est des feuilles de quoi?
On dirait que c'est des feuilles spéciales. On dirait du Yuka, hein, mais bon. Regardez-le, l'autre qui est en train de faire genre qu'il connaît Yuka par cœur. Bah, ça c'est pour moi, c'est ça pour moi, c'est du Yuka, ça, y'a pas de. Bah, quand je. Mec, j'ai cru que c'était une carotte dans l'inventaire. Oh, une belle carotte. C'est peut-être pas du Yuka là. Parce que ça te valide pas. Chier. Mais non, c'est. Si, si, c'est du Yuka. Déjà, on va faire une corde. Fais ta corde, prends les bâtons et je pense que c'est bon. Palmier, les gens disent palmier. Palmier, ok. J'en ai marre de faire ça. Tu peux crafter des lunettes de vision nocturne. Avec un bâton, ça va le faire. J'espère que ça marche ce que tu fais. Ça a l'air de très bien marcher en tout cas. Non. Bah presque eux. Bon attends. Pour ça j'en ai plus besoin ça. Oh il me jette tout ça là. Oh là. J'ai tout pris. J'ai pris le palmier. Palm bunch, point d'interrogation. Bah c'est. Oh, oh là 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 là, je suis camouflé. Mec, tu fais des dégâts tout seul sur son île. Je crois que c'était pas ça. Hein. Dans le menu de craft. Quand on va crafter des feuilles. Je suis pas sûr de ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. Je ne crois pas qu'on puisse crafter des Je dois manger, bah tu vas attendre comme tout le monde. T'as du craft qui cuit là. Oh mais il va m'enlever ce truc là, c'est super chiant. Il l'a mangé. Ouais, l'occasion de cuite. Je pense pas. C'était quoi la touche? Ouais, je l'ai pris. Mais genre maintenant il. Est-ce que tu peux sélectionner la viande que tu veux? Ça se trouve parmi les 4 il y en a une qui est cuite. Cooked. Quoi? Mais il ne veut pas la prendre, il veut la manger. La gestion de l'inventaire est pas très très simple. Bon, on mange tout hein. J'en ai mangé. T'as mangé deux ? J'en ai. Je suis juste resté appuyé 2 secondes, ça m'en a mangé des crus. C'est incroyable. Ouais, c'est du poisson. Putain. Alors, c'est bon, j'ai plus faim là. Oh, putain de merde. Oh, ça sent. Ça sent mauvais. Je sens le jeu où il va falloir rester 10 ans en train de bouffer tout le temps là. Bon, par contre, ouais, vous me dites que c'est ça, mais. Ça marche pas très bien. Ah bah la vache! Bah vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Et je crois que. Que l'on est pas mal. Il nous manque juste un troisième bâton alors. Ouais. Ah, le bâton dans le noir. Tranquille. Ah, bah ça, tu peux prendre directement. Ça, c'est un bâton. Ok, c'est un bâton invisible. Ça aussi. Mais tu veux me raser la forêt? Écoute. C'est pas ma faute, c'est le pilote. Tac. C'est vrai. Oh non, nous on a rien fait, on se débrouille quoi. Bah j'ai tout là. Je m'embrouille dans mes touches. Oh, fais-nous un petit truc près du feu. Hein. Oui, oui, voilà. Un peu brûlé les doigts de pied, mais ok. You can save your progress. Je save. Ce sera dommage de ne pas sauvegarder cette grande progression. Construire un marteau. T'as fait cuire un truc au micro-ondes. Corde. Ouais, il y a eu un petit ting. I need to find water. Bah, nique ta mère. 2 pierres et une corde. Oh non, bah tu vas boire la noix de coco. Hein. Il m'en refaut une. Mais non, alors il y en a encore là-dedans. En petit.
Mais putain. Fait chier. En plus il devait y en avoir une autre ici, mais maintenant on va plus le voir. Oh, je pourrais boire ça là, qu'est-ce que c'est ça? Ce gros cerveau. Oh waouh. Bon, on va bouffer celle-là. Il n'y en a pas qu'une par palier. La musique est super bizarre. Elle est glauque en fait. Il y a un mec qui se fait un petit saxo là. La chanson de la solitude. S'il vous plaît. C'est bon, c'est... Oh, ne sache pas fuir. Hop. Et elle est déjà... Non, elle est encore... Je peux encore en boire? Bah non. Ça se vide très vite, hein. Craft Hammer, donc il me faut des... Tout à l'heure, j'ai laissé des trucs qui servent à faire... Tiens. Ah, une noix de coco. J'ai laissé des feuilles par ici. Ça, j'aime. Ça, c'est pas exactement ce que je cherche. Quoique. Ah, le con, j'avais laissé plein de feuilles et je sais plus où. Dommage! Tu les retrouveras plus tard. C'est sûr. Ils sont pas perdus. Putain, j'ai pas encore assez de feuilles là. Bah, nique. Bah, là, tu vas pouvoir crafter un bateau en fait. Ouais, dans 2 minutes là. Vu la simplicité avec laquelle tu craftes des choses. Une corde. Construire un bateau à moteur, en 5 minutes c'est fait. Hein. Ensuite. 2 cailloux. C'est comme si c'était fait. Hein? On s'en bat les couilles de ça. C'est vrai que si tu tapes la noix de coco avec ton couteau, tu peux peut-être manger la chair. Mais dites-moi, vous êtes vraiment incroyable, vous. Par contre, tu viens de croquer de la noix de coco entière là. J'avais faim. T'avais mangé la coque. J'avais très faim. C'est pas normal de faire ça. J'ai eu un toc. Et ça va servir à quoi ça? À taper sur les animaux? Paf! C'est très ouga ouga quand même. Pas content. Pas content. Ah, il y avait des conseils en bas, j'ai pas compris. J'ai pas eu le temps de le lire. Ça disait quoi en bas à gauche? Vous qui êtes toujours très attentif. 6000 viewers et pas un seul qui va avoir eu. Ah, et maintenant on est livré à nous-mêmes? J'étais bien quand on me tenait par la main, moi. Merde. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer à crafter? Ça en permet fait de craft. Tu peux grimper aux arbres. Quoi, grâce à mon marteau? Ouga ouga, moi grimper arbre avec marteau. Ouga. Attends, attends, c'est vrai. Ouga ouga avec mon marteau. Je sais car j'ai un marteau. Putain, mais trop bien, je peux récupérer des noix de coco comme ça. Ça se trouve à la base, t'as pas besoin de... Je veux des noix de coco. Ah. Ouga, j'ai ouga, faim. Ouga. Toi donner fruits de arbre, ouga. Moi croquer noix de coco entière. Ah, ouga ouga les bons fruits. Ah, ouga le festin. Bien, faut qu'on construise un bateau en fait. On va construire un bateau. Alors. Aussi simple que ça. Oh putain, oui d'accord, on peut construire plus de choses.
Oh ya, mais là mec, le problème Me... c'est que là, c'est surtout pour construire une maison, mais pas pour On s'enfuir. va pas se faire une maison, putain, genre on n'est pas venu là pour ça. Ouais, ou faire des étagères, une cheminée, non mais ça va, tranquille. Véhicule? Comment ça, véhicule? Attends, c'est pour faire un bateau, ça? Véhicule? Ah. Ah, voilà, là ça me... Donc avec des Ah, on pneus. est d'accord. Et puis regarde, des pneus en plus, on en a eu partout sur l'île. Il faut les cueillir aussi au haut des arbres, les pneus. Des barils, il y en avait Non, sur le... écoute. Ah, attends, avant ça, on peut pas faire un bateau de fortune. Même si ça, c'est un bateau de fortune, je veux dire un truc vraiment basique. Un Si, truc si, qui flotte, si. quoi. Pas de Parce que je problème. pense qu'il va falloir aller récupérer des ressources, tu vois, tout ce qui est pneus et tout. On va pas le trouver ici, hein. Woodraft Floor. On peut commencer par ça, non? Bah si ça flotte et qu'on peut le transporter, oui. Je sais pas la différence entre les deux là. Bon, on va le faire avec des planches. On en avait des planches. Ouais, moi j'ai regardé la vidéo de Joyka où ils font un bateau de fortune et ça marche pas beaucoup, hein, avec des planches et tout. T'inquiète, regarde. Plancraft. Bah si ça marche dans le jeu, vous direz à Joyka que c'est une grosse merde. Pardon. T'as les matériaux? Oui. Oui, si je fais ça, c'est que je peux le... I need to find water. Non, mais c'est bon, ça va. C'est chiant. Alors un mec, Tu vois, je peux le bah faire. coco. Vas-y, bah fais-le sur l'eau alors. Bah, j'ai essayé, mais... Tiens, je peux même... J'en ai combien de ça? Un ou... Si j'en ai deux, je peux même le faire en... Bah non, mais je l'ai fait, mais ça marche pas. Marche pas beaucoup leur machin là. Faut En même faire la temps, pourquoi base. ça flotterait? Faut faire... C'est vrai que ça flotte pas. Enfin, bof. Non. Ça flotte, mais pas quand t'as quelqu'un dessus. Ouais, attends, ouais. Rose, elle a flotté sur une porte. Building vehicles. Il faut une base, ouais, mais j'ai l'impression d'or. Ah, c'est ça la base. Donc, je crois qu'on va devoir se faire une base de fortune. Après ça, des barils, je maintiens qu'on en avait. Hein. Mais où est-ce qu'on en avait, espèce de malade? Là, il y en a trois là. Mais t'as des yeux d'aigle ou quoi? Ouais. Mais il y a des requins, c'est ça le problème. Au pire, on a un bateau en plastique, hein, celui, tu sais, celui que t'as abandonné là. Ouais. Tu sais quoi? Et ton marteau, et où ton marteau? Tu l'as Comment? jeté, hein? J'ai jeté mon marteau. Oui, derrière toi. Derrière toi. Ah oui. Ah non. Bon, là. Bah ouais, vas-y au pire. Ah oui, ouais, c'est T'as pas jeté. facile à trouver. Alors, Bah c'est toi qui le jettes! oui, bah en Bah même quel temps connard! avec cet inventaire de merde. Alors, d'abord on voit, ensuite on croque la noix de coco. Ça va être trop chiant la faim et la soif. Bah, à mon avis, faut vraiment tout se mettre à 100% pour être safe pendant Oh quelques heures. merde, Tu viens de croquer la, je viens de la... bouffer la ration. Oh! voilà! Si je meurs, hein, j'ai pas envie de refaire ça. Youpi! Pas de problème. C'est quoi ça, des tuyaux à droite ou du corail? Des sardines. Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai peur du requin, j'y vais vite fait. Parce que là, j'ai peur, je vais me faire croquer. Je pense que t'es mort. Ah non, ouais, c'était rien à voir. Je vais me faire croquer. C'est une sardine, c'est bon. Je ne peux plus rien faire, je me fais emporter par un requin. Il prend la situation avec beaucoup de recul. Ah, Là, il sait pas le pire. s'agripper, il sait pas s'agripper, c'est pas un problème, on va trouver une solution, hein. Bah, faut aller vers le devant, je pense, tu pourras monter. Alors, des barils. Et là, tu vois, tu fais du scrap. Comme ça marche au top. Bon, par contre, ouais, pour... Ouais, ça a pas marché, hein. Ouga, ouga. Ouga. Moi, vouloir gros tonneau bleu, Ouga. Non, du coup, tu vois, on en a trois, mais je sais pas comment on les... Tu peux pas les prendre dans ton inventaire?
je pense que si. Oh non. T'es sûr? Oh bah non, c'est beaucoup trop gros. Alors, tu peux pas couper les fils? Ah. Putain, incroyable. Oui. Tiens, mange la viande crue là. Crue. Faut pas être malade avec du crabe cru. Non, ça se saurait. Voilà. Putain, les bons conseils de merde. Ah putain, je suis deg. Alors, il veut pas, il veut toujours pas le prendre par contre. C'est chiant ça. Prends-le. Bon, peut-être tape dessus encore, j'en sais rien. Je vois pas ce que ça pourrait donner de toute façon si tu tapes dessus. Ah mais tu peux peut-être les pousser, les faire flotter jusqu'à... Non. Clic droit pour bouger les objets. Oh mais c'est la merde ça. Non mais il te faut un bateau là, sinon le requin va te croquer. Hein. Ouais. On reviendra. Oh, on peut pas juste load. Je crois que t'as quitté le jeu en mode on reviendra sur le jeu plus tard. On y reviendra. Bah je vais quitter parce que j'ai perdu de la santé et tout. Ouais. Et puis le retour il va mal se passer, je le sens. C'est pas très RP. Non et mon bateau gonflable d'ailleurs il était autour du bateau non? C'était bien ce bateau là? Non ça faisait pas ce bateau là non. C'était un autre bateau. Bah putain pour le retrouver Bah c'est pas comme si l'île était grande. C'était pas aussi loin que ça. Non mais c'est de l'autre côté là. Là-bas oui. Mais par contre je sais pas par quoi commencer. Genre là les gens qui ont déjà joué au jeu, ils vont commencer à faire quoi? Le courant a dû l'emmener. Ok, donc j'étais au bon endroit parce que je me disais, il ressemblait vachement mais au bateau de tout à l'heure. Vous racontez, y'a pas de courant. Non, bah y'a plus de bateau. Oh, y'a un autre feu de camp ici. Putain. Elle est grande l'île. Hein. Tu vas pas être tout seul sur cette île. Bon, bah merde. On va devoir se faire un radeau. Et bah, c'est pas grave, c'est une belle aventure. Alors, commençons par les flotteurs. La base, les cordes et 14 bâtons. 14 bâtons, ouais, ils sont quand même gourmands en bâtons, hein, mais d'accord. On va pour les 14 bâtons. Aïe, 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 aïe. Les petites feuilles, on en a plus. NX armé. Ok. On aura de la place pour tous ces bâtons? Non. Je vais aller poser des trucs. Oh le feu de camp s'est éteint, quelle déprime. Bon là imagine, t'es tout seul sur une île déserte. Ça fait déjà des mois mec. Et là il y a une femme qui s'est faux sur cette même île. Une femme. Et là il y a une femme. France. Elle est genre hyper dégueulasse. Vraiment, c'est la femme la plus laide que t'as jamais vue de ta vie. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? T'as dit ça fait des mois. Ça fait des mois et tu sais qu'en fait tu vas rester pendant des années sur cette maudite île. Je lui demande son prénom déjà. Pour commencer. Mec, bah, je la défroque et je la baise. Non, je lui demande son prénom. Je la défroque. Je lui demande son nom et je lui demande son consentement pour la défroquer. Bonjour Gislaine, pourrais-je vous défroquer? Ah! Ah, tu fais des blagues problématiques mais elles sont quand même drôles. Bah ça va dans ce cas. Bah c'est dans le contexte d'une île déserte après hein. On peut défroquer les gens hein. Ça suffit maintenant. 4 plus 4 plus 4 plus 2.
Par contre, chiant de devoir stack 4x4. Très. Véhicule. Il reste une corde à faire. Une corde. T'as pas assez de feuilles là ? Putain. Attends, t'en as 0 des feuilles. Merde. C'était autre simple. Autre question. Ah oh, merde. Ouais. Tu viens de t'échouer sur une île déserte. Ouais. T'es Tom Hanks en fait. Ah ouais, voilà. Oh, c'est cool déjà. Non, t'es pas Tom Hanks. Ça commence bien. Oh merde. Oh. T'es sûr toi. Bon, déjà, tu vois, bon, forcément, tu vas mettre du temps, tu vois, à temps de réaliser, etc. Il est là. Bref. On l'oublie bien. Oubliez pas. Tu penses que tu vas commencer à te masturber la première fois au bout de combien de jours ? Sur l'île ? Ouais. Bah, les premiers jours, je serais peut-être un peu préoccupé. J'y penserais justement, pas. Voilà. Tu penses qu'au bout de combien de temps ? Bon, en vrai, une semaine, hein, tu commences à t'ennuyer, hein, t'as fait tous tes préparatifs, t'as ta petite cabane. T'as ta cabane, t'as des coups de soleil, t'es tout seul, bon. Bah, et si t'as un magazine Les Trois Suisses que t'as gardé dans l'accident, 2 jours. Ou alors tu prends un caillou et sur une grotte, tu dessines une femme à poil, puis tu te mets bien, quoi. Tu dessines vaguement une femme à poil, tu dessines une chatte. Tu décides une femme défroquée, puis ouais. Quickcraft. Est-ce que tu penses que première fois là, tu dois faire ton caca, ton premier caca sur l'île. Tu penses que tu commences déjà à faire un système de trous dans le sol, dans un endroit où tu vas aller régulièrement, ou juste tu fais par terre, peu importe l'endroit. T'as pas le temps de penser à ça en mode. Oh, je m'en bats les couilles, je chie. Alors, juste pas là où je dors, mais n'importe où. Hein. Après, au pire, je le fais dans l'eau. Il chie dans la cabane où il dort, alors qu'il pourrait aller dehors. Il chie dans sa maison. Par contre, je comprends pas comment faire des cordes là. Ah, mais non. Tu l'as fait tout à l'heure. Je veux pas être là-dedans. Ouais, je sais, mais en fait, maintenant que j'ai plein de catégories, c'est différent là. Ah, elles sont comptes tes catégories, j'ai l'impression que tu dois défiler. À chaque fois, je dois revenir. Donc là, j'ai la corde. Donc, c'est quand je clique, évidemment, ça fait rien. Peut-être parce que j'ai pas lâché. T'as pas les 4 feuilles qu'il faut. T'en as 3 sur 4. Ah putain, j'avais pas vu. Ah, mais la nuit dure longtemps. Hein. Maintenant je peux. Bah ouais, bien sûr. Maintenant je peux. Hop. Ah, autre question. Ouais. Tu vas te suer les fesses avec des feuilles des arbres ou avec l'eau et tu vas dans l'eau et tu frottes. Je pense que je vais dans l'eau hein. Parce que les feuilles ça me fait peur. Genre imagine il y a des petits insectes dessus ou quoi qui rentrent dans mon cul ou qui me mettent des maladies. Ouais, je trouve que ça... Tu frottes ça contre ton anus, je suis sûr qu'il y a moyen de choper des c'est boutons chaud. Ou un truc comme ça. Ouais, je pense que t'as vite l'anus pourri hein. Alors que l'eau salée tu vois ça désinfecte Ouais attends l'eau salée ça se trouve c'est encore pire. Ouais peut-être. Je sais pas. C'est bof, je sais, mais bon, normalement, quand il n'y a plus le choix. Woodraft Base. Tu vas casser qu'un seul flotteur, du coup, non ? Techniquement. Oh non, dis pas ça. Mais... Putain, mais c'est vraiment énervant, ce... Genre, je pouvais le faire. Quand tu vas dans le menu, tu peux le faire, techniquement, t'as tout ce qu'il te faut. Ok, faut faire directement avec ça parce que. Il faut que tu le poses. Oh bah c'est complètement con, tu peux le poser des fois et des fois. Ah, en l'air ? Pose dans l'air. Mais c'est complètement débile, je vais le mettre. Attends, il y a du courant. Ouais, mais attends, en l'air ? Bah oui, mais tu vas pouvoir le prendre, je pense. Le chat, dites-moi que ça va pas bugger et tout, dites-moi que je vais bien le faire en l'air parce que. Ils auraient pas pu mettre cette fonction en l'air si ça buguait. Au pire, il va tomber, au pire, il va rester en l'air, tu pourras le reprendre. Ça désinfecte pas. Juste, je vais sauvegarder avant de le faire. Ça désinfecte pas l'eau salée. Ouais, ok, mais. Mais ça lave. Ça lave au moins. Il y a moins de risques d'avoir des problèmes, non ? Je sais pas. J'imagine des feuilles. Franchement, je me suis pas avec une feuille trouvée dans la chose comme ça. Hein. Wow ! Ok. Ok, faut pas qu'il y ait de vagues qui viennent l'emporter. D'accord. Et donc j'avais créé. On a un flotteur. J'avais créé un truc déjà. Non ? Non, tu l'avais pas fait. Parce qu'il fallait justement la base. Bah non, parce que j'avais essayé de le poser, tu sais.
Ouais, je sais, mais je veux dire, tu l'avais pas fait, tu l'avais pas crafté du coup. Ah oui, Mais c'est t'as vrai, rien d'avoir peut-être c'était matériaux. avant de le crafter. Oh! Mais attends, mais ça va tenir en équilibre ça? Eh bah il est fonctionnel hein! Parce qu'en vrai, là, techniquement, si tu vas dessus, ça va tomber sur le côté. Dès que tu vas aller dessus. Attends, je vais sauvegarder, j'ai trop peur! On y va! Mais Oh, ma ça pagaie! Où elle est ma pagaie? dans ton menu, tu l'as jamais jeté? Oh mon dieu, il l'a Si, si, à jeté. un moment j'ai mis tous les trucs. Reviens! Eh, il marche bien! Reviens par Ouais, là, marche bien, enfoiré, ouais. tu marches trop bien! Attention à la marée haute, hein. Alors. À tes pieds. Quoi? Attends. Je vais prendre ça. Là. Fais bien gaffe. Putain, c'est lourd, hein. Oh là, ouais, c'est ça que je craignais. Et t'auras de la place pour mettre les tonneaux là-dessus? Oh là là. Ouais. Et comment t'avances? Ça marche pas au Faut top, peut-être hein. mettre un siège, non? Crafter un siège? Putain, fais chier. Il marche très bien en vrai là. Putain, il est trop stylé. Le jeu veut pas. Alors. Non, Pourquoi tout le monde te dit la boussole? mais je vais revenir. C'est juste pour aller chercher les tonneaux. On va revenir. Alors. Une ancre, une voile, un bateau à moteur. Non, calmez-vous. Rudder, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un genre de pagaie aussi, non? Ça, c'est pour le gyrocoptère. Tout ça, c'est pour le gyrocoptère. Bon, on peut vraiment faire un gyrocoptère? Ouais. Pour te diriger avec la voile. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Ouais, mais alors pourquoi je peux pas utiliser ma pagaie là? Je te dis, je pense qu'il faut un siège parce que quand tu l'utilisais tout à l'heure, t'étais assis. Non? Bah, j'avais surtout une action qui me proposait. Et là, t'en as pas sur ce truc-là? Bon, on va essayer de faire une voile et un gouvernail, non? Bah oui, mais comment tu l'arrêtes? Il Close. faut une ancre. Tu peux faire une ancre. Donc Ouais. vas-y. Vas-y, Mais il est tout petit, close. ton, t'as conscience de la taille de ton truc. Là, tu comptes mettre. Ouais, mais j'ai Tu pas comptes mettre toute un la vie devant gouvernail, moi. une J'ai pas toute voile. la vie devant moi, c'est super long. Putain, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Mec, s'en bat les couilles. Y a trop de trucs utiles. Y a des putains de gourdes et tout, mais nous, on veut. Oh là. Loom? C'est quoi, loom? Tu le vois où? Là. Ah mais je vois pas ta souris. Enfin c'est pas ça. Le truc est sur lequel t'es là? Ouais. Bah ça va être pour se faire un slip. C'est un truc, un espèce de métier à tisser? Oh bah ça, alors oh, il se met à pleuvoir, super. Et on n'a pas d'abri. Si j'attrape froid, je pète un plomb. Loom. 4 cordes et 6 bâtons. Oups. Oh non, t'aurais dû faire un récupérateur d'eau de pluie, t'aurais eu de l'eau propre. C'est pas faux, j'aurais dû faire ça. Il y a des petits fruits là. Ah, c'est une poire. Bah, tu sais quoi, on va voir. Qu'est-ce que c'est? On va voir. Pourquoi j'ai deux. Ah non, j'ai. Non, si, j'ai deux couteaux. Mais il y a un putain d'éclair à côté de toi. Ouais, ne fais pas attention. Oh ton bras dégueulasse, vas-y. Oh, la maladie, mais Oh je vais mourir. et fais gaffe parce que t'imagines ton radeau là il est. Oh, mon radeau. Eh, mon radeau! Wow, Là mais dans un c'est. contexte où je serais vraiment sur une île toute petite comme ça avec une tempête, je te jure je suis vraiment rare, surtout avec des vagues qui commencent à Eh, devenir je pourrais hautes. mettre de l'aloe vera sur mon bras. Oui. Ah, c'est pour Vas-y. c'est contre le soleil. Moi, je vais pas le mettre maintenant. Bah non mais si, mais t'as des coups de soleil.
Vas-y, frotte-moi ça. Ça, je l'ai bouffé. Tu l'as bouffé. Et alors, maintenant? Ouais. Ah, t'as moins de coups de soleil. Ouais, un peu. T'as toujours des pustules, par contre. Qu'est-ce que je venais faire? Ah oui, non, mais il est safe. Je vais le tirer un peu. Mais fais gaffe, la caisse qui est à droite, qui est dans l'eau, là. C'est vide, ça, non? Ouais, bah, on sait jamais, ça pourrait servir. Ça se trouve, tu peux stack des ressources à l'intérieur. Oui. Bah voilà. Air tank. Ouais, je l'avais pas pris. J'avais un couteau, il s'est droppé. D'accord. Du coup, mon autre couteau... Où était mon autre couteau que j'ai droppé? T'as cassé le premier couteau? Non, mais j'avais deux couteaux. Je me suis dit, ça sert à rien d'en avoir deux. Oh, fais chier, putain. Je suis revenu par là. Il a fait un temps de chien pour retrouver son couteau. Je crois que je vais pas retrouver mon couteau. Quoi, Space to Climb? Arrêtez de me faire monter aux arbres là, j'en ai rien à foutre de vos arbres. Faites chier. Go, gars. Bon, d'accord, pas de couteau. Putain, je vais me recrafter un couteau. Ah, il y a des gens qui disent que t'as juste à faire espace sur ton radeau. C'est sur l'eau. Espace. Ok. Ouais, comme sur l'autre radeau. Ok. Il y a des belles vagues. Hein. C'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour faire du radeau, mais... Bon, tu veux essayer quand même? Attends, je vais me refaire un couteau. Alors, vas-y, tu pousses ça dans l'eau et vois. Bon, je te cache pas que t'aurais pu attendre qu'il fasse beau, mais on paie rien pour attendre. Ok, on va voir. Oh, c'est compliqué. Ah, si ça marche pas, j'y peux rien. Hein. C'est par où? C'est par là. Oui, mais après. Bah du coup ça change rien. Non. Par contre là... Vite, reviens. On m'a juste mis dans la merde. Oh non, mais Wilson. On m'avait juste mis dans la merde. Les bâtards. Ça va à quoi Space to Climb du coup? À part monter dessus? Ouais. Bah comme le nom l'indiquait, hein, finalement. Ouais, ouais, je sais pas, c'est ce que je me dis, mais bon. Alors, ensuite, on était en train de prendre des ressources pour faire une voile. Parce que je t'ai dit ça, parce qu'il faut quand même savoir que ça arrêtait pas de spammer. Hein. Non, je sais, j'ai vu, mais du coup, j'avais pas envie de lire, parce que je voyais que du spam. 4 bah, cordes aussi. Et 6 bâtons. Hop, c'est reparti. Il y aura plus d'arbres d'ici 2 jours. Ah bah je peux te dire qu'avec ce qu'on entreprend de faire, il y en aura plus dans 5 minutes là, c'est terminé. Hop, maintenant des feuilles. Beaucoup de feuilles. Énormément de feuilles. Ah pas non plus plein de feuilles à disposition hein. Non. Et à un moment donné t'en as lâché plein. Alors pour savoir où elles sont. Au pire Non, il n'y a pas de au pire en fait, fait chier. Ouais, faut attendre que ça pousse, faut se poser pendant plusieurs mois. Ah putain, ils font aucun effort. Attends, j'ai potatoes. Oh, c'est bon ça. Ça, tu me fais ça en lamelles là, avec un peu d'huile sur la casserole. Je peux les planter. Oh, on va planter des patates. Oh putain, des bonnes patates. Alors,
Ah, il va me falloir une pelle, un truc comme ça. Après, il faudra bien penser à chier dessus pour que ça puisse grossir. On va planter ici. Mais il a bouffé des patates. J'ai mangé les patates crues. Fuck. Alors, les feuilles, là. Non, mais donnez-moi des feuilles, c'est pas drôle. Ça, c'est des feuilles, par exemple. Si je tape un arbre, est-ce que ça me fait des... est-ce que ça me drop des feuilles? Oh, oui, il y a des feuilles au bout des bâtons, là. Après, va les trouver, aussi. Oh, tu peux pas défléchir ces arbustes, là. Pouah. Coup des feuilles, là, c'est une mauvaise surprise. Mais c'est là que t'as droppé tout à l'heure. C'était en bord de... Bah ouais, mais à un moment, j'en ai récupéré pas mal, d'ailleurs. Tu fais tout le tour de la plage et regarde, à mon avis, tu vas peut-être les retrouver, hein. C'est pas comme si elles étaient grandes. C'était pas près du palmier que tu les as droppés? Si, si, il me semble. Mais à un moment, j'en ai récupéré pas mal, aussi. Hein. Ah ouais... Là, il y en a un peu, ouais. Mais deux. Ah. Et de la lavande. Waouh, là, vous. Vas-y, regarde les bienfaits. Si tu peux enlever tes pustules de mort, là. J'en ai marre de cet inventaire. On va faire de la corde. Oh, j'ai même pas assez pour de la corde, là. Oh, mais ça demande tellement ce qu'on veut faire. Oh, quelle merde. Combien de cordes? 4 cordes, ça fait... Oh, ça fait 4 x 4, il faut 16 feuilles. Et c'est que le début. 16 feuilles, c'est pas mal. Hein. C'est énorme pour ce qu'on a là. Tu peux pas en faire avec les feuilles de palmier? Bah, on dirait que non. Hein. Tu vois, genre... ça fait rien. Hein. Malheureusement. On va laisser tous les bâtons ici. Quand même un monde de pas avoir de feuilles, il doit y avoir une technique qu'on n'a pas là. Bah, surtout que t'es entouré de verdure et oh. Bah pas ouais. Prendre pour un jambon. C'est quoi cette merde? Ah du coup c'était la plante que je voulais que tu récupères pour voir les bienfaits. Ah oui. Je suis en très bonne santé. Par contre, j'ai chaud. Tu peux peut-être te mettre du monoeil aussi. Pour être un peu plus joli. Ouais, pourquoi tu coupes ça? Tu peux pas faire des feuilles avec? Bah, je check, mais bon. Oh, quoique, si tu tapes et qu'il y a une animation, ça veut peut-être dire quelque chose. Ah non, c'est ça. Hein. Toujours pas ça. Et si ça, tu le coupes encore? Non, ça, on a testé là-bas, ça marche pas. Y'a pas d'animation, ouais. Putain, mais... Sérieux? Alors bah, si tu les prends une par une, ça va être très long. Si c'est incroyable. Vous savez, vous avez la solution, mais vous voulez pas le dire. Salaud. Allez, dites-le, c'est pas drôle. J'ai soif. Ouga ouga. Ouga ouga, j'ai soif. Ah, ouga. Vas-y, défroque-moi cette coconut. Je la pose par terre. Elle roule. Elle roule. Que faire? Ouga. Ça pas interrogatif. Ouga. Ouga. Je prends la deuxième. Ouga. Ouga slurp. Ouga. Ouga slurp. Je tape. Elle s'ouvre. Ouga. Ouga croc. Ouga croc croc. Ouh, ça me rafraîchit. Je continue, je fais la même chose sur la deuxième. Il a fallu que le mec s'échoue, il est 15 de QI. Ça me rafraîchit encore. Je t'avais prévenu, frère. Je la laisse.
Ah, Ouga, qu'est-ce que c'est que... Ouga, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Oh, ce grand P. Feuille égale yucca et mini palmier. Est-ce que ça, c'est un mini palmier? Oui, c'est un mini palmier, ça. En vrai, on dirait pas trop. Hein. Bah, tu vois plus petit? Palm tree, je pense qu'ils ont un nom différent. Je sais pas, je pense que ça va me faire exactement la même chose. Ça va me faire pareil. Eh ben, il est solide en tout cas. Il est incroyable. Ouais, c'est pareil. Hein. Il faut du yucca. C'est vrai qu'on en a vu du yucca à un moment. Ça, c'est un petit arbre. Ouais, mais non, ça donne que du bâton, ça. Le yucca, non, t'en as plus du yucca. Récupère-moi ta fleur bleue, là. Ah. Oh. Ça, ah, je pense que ça repousse, hein. Oh. Oh. C'est celle que t'as droppé tout à l'heure, certainement. Oh, ça, ça fait du bien, ça. On en a combien? J'adore. C'est tout. Oh, la mine d'or. Nanana. Le mec qui a fait des musiques, vraiment, c'est au set total de l'ambiance du jeu. Hein. Il en a rien à foutre. Non, mais ça, c'est pareil, ça va juste faire des bâtons. C'est vraiment un mini palmier, ça. Mais là, t'en as déjà coupé un, pourquoi tu refais? Parce qu'on m'a dit les mini palmiers. Bah, dans ce cas-là, on va voir celui que t'as coupé, mais ne coupe pas tous les mini palmiers de la terre. Je cherche des solutions, moi. Je sais pas quoi faire. Il faudrait de la redstone. Ah, ça c'est sûr. Oh, Yucca? Kuka? Non, c'était Kuka. Ah, Kuka. Kuka fruit. Oh là, il a l'air un peu malade. Qu'est-ce que ça va donner, ça? J'ai soif. Ouga moins soif. Ouga toujours soif. Mais Ouga coconut. Oh non, pas encore. Je lâche, je tape, Ouga, elle roule. Y'a pas que la coconut que tu vas lâcher là. Ne mange pas. Lâcher. Super, une barre. Nanana. Bon bah. Si on m'avait dit que le plus dur dans le jeu c'était d'avoir des feuilles. J'aurais cru à la blague. Mais c'en est pas une. Y'a forcément une solution. Mais va récupérer cette maudite fleur qui était en bord de plage. Mais elle sert à rien ta fleur, je sais même pas où elle est. Bien sûr que si, t'auras plus de boutons sur la gueule. Ça se trouve, ça c'est un truc qui a des effets négatifs du style ouais, j'ai soif plus vite ou j'ai faim plus vite. Elle était au bord de la plage là. Elle continue. C'est pas une très grande ride, hein. Mais alors quoi, quelqu'un l'aurait cueilli entre temps? Et ben merde, hein. Et voilà qui a fait disparaître la fleur. Oh, putain de feuille, en vrai ça me tilte. Pousse de palmier égale une feuille. Pousse. Je sais pas s'ils entendent par une. Où est-ce qu'il y a des pousses de palmiers? Le joueur de Saxo l'a déjà loot. Ah, c'est lui en fait, il est ici. Non, mais merde. Je vais me suicider, hein. Ça m'a saoulé. Mais c'est quoi cette musique? On est en train de résoudre une enquête ou quoi? Non, non. L'énigme des feuilles. Vous ne voyez c'était aucune feuille. Nulle part. Attends, tu pouvais faire quoi d'autre? Le manger. Ok. Et d'abord à cuire. Oh, gross. Pourquoi il a parlé? J'ai pas compris. On lui a pas demandé son avis. Il a dit ah, c'est dégueulasse. Mais tu l'as bouffé. Mais tu l'as bouffé. Ouais, bah. Au bout d'un moment, hein. Quand on a faim. Ok.
Il y a plus de feuilles sur cette île. Bah, du coup, comment on dirige le bateau? Parce que je veux pas aller sur le bateau et me laisser porter par le courant, hein. Hors de question. Bah ça... écoute, ça peut être un jeu de hasard. Ça va jamais marcher, putain. En plus, on a tellement de ressources. Oui, mais t'as pas de feuilles. Attends. Ah bah c'est un moyen de transporter des ressources, ça. Ouais. Attends, mais... tu t'apprêtes à faire une expédition, là? Attends. Parce que je vois que t'es en train de tout stacker, là, ça m'inquiète. J'ai l'impression que tu vas prendre le coffre et que tu vas mettre son radeau en partant. Attends, j'essaie de comprendre comment... Qu'est-ce que c'est chiant, putain, wow! Je suis fasciné. Non. Non. Ça a l'air d'être compliqué, cet inventaire. C'est extrêmement chiant. Quoi d'autre? Une petite bâche. Attends, redis-moi pourquoi t'es en train de prendre tout. Parce que déjà, quand on va partir, on va devoir mettre tout ça là-dedans, donc je le fais déjà. Mais y'a un rat? T'entends pas? Si, là j'entends. Ok, donc là y'a plus de place. Va le chercher? Non, mais y'a pas de rat. Mais le truc qui fait du bruit, c'est quoi? Attends. C'est quoi que j'ai sur l'épaule? Ah, je pense c'est un bruit d'ambiance. Mais non, c'était un petit bruit d'animal. Ok, il était là. Bon, bon parce que moi je veux bien partir avec le radeau, mais on va devoir laisser tout ça. Hein. Et ça, c'est la merde. Bah, save et part. Quel est le risque? Ouais, aucun. Non. Mais... bah si on trouve une île on va rester là-bas de toute façon. Ah tu veux changer d'île? Dors. Je veux bien dormir. Bah c'est ce que dit tout le monde, genre prends le radeau et casse-toi. Ah bah, bah stack tout oui du coup. Non mais je peux mais les caisses y'a pas beaucoup de stockage quand même. Enfin faut que je retrouve une autre caisse. Ah, c'est bien de dormir pour qu'il fasse jour. Putain ça a trop bien marché, j'ai dû dormir quoi 10 minutes? Je pensais que tu sais, ça allait avoir le temps de repousser, mais même pas. Bonne nuit de sommeil réparatrice. Ouais, de toute façon, il n'y aura jamais assez de feuilles ici pour qu'on fasse tout, donc ça sert à rien. Lance ton couteau. Oh putain, c'est quoi ce décollage à 90 degrés là? Personne ne fait ça en vrai. Ah. Putain. Mais, mais mec, en face là, c'est pas un port là, enfin pas un port mais un truc qui extrait le pétrole là, une plateforme pétrolière. Je sais pas, moi j'ai l'impression de voir d'autres palmiers. Après ça c'est très grand. Ils sont très hauts les palmiers là. Non mais c'est un style. En fait ce qui m'énerve c'est qu'on a une pagaie. Je suis très énervé parce qu'on a une pagaie et qu'on peut pas l'utiliser sur le radeau quoi, ça m'insupporte en fait. C'est beaucoup trop chiant, c'est pas normal. Écoute, mets tout dans le coffre. Attends, non mais le coffre il est plein. Il me faut, faut une autre caisse et je crois qu'il y, a... y en a une autre. Ah bon? Non, je suis pas sûr qu'il y en ait une autre. Tu peux la crafter la caisse? Bah attends, mais le problème c'est qu'on va devoir laisser ça, bon bah... Oh non, mais oh, on laisse pas ça. Est-ce que tu peux crafter une caisse? Attends... Oh, c'est insupportable. Parce qu'en vrai c'est con, c'est bien... s'il y a bien un truc simple à crafter, techniquement c'est une caisse en bois. Alors ça doit pas être dans le building. Eh bien merci pour la possibilité de faire une caisse. Ah merde. C'est non. Ah, c'est vrai qu'on oublie pas la boussole.
La boussole, elle est là. Hop. Ça. T'as pas des trucs dont tu peux te débarrasser Ah ouais, d'accord. C'est qu'il y a vraiment pas de place, en fait. Dans... Non. Ah non, il y a pas de place. Ça marche au poids, je pense, non? Ou alors c'est que tu peux stack 3 objets seulement. Aucune idée. Moi, je pense qu'il faut qu'on... Je vais retirer ça. Et Pour remplacer par quoi? Par pièce de moteur. La batterie. Non. Il y a des caisses dans les épaves? Ouais, mais on peut pas aller dans une épave là. Bon, on va partir comme ça pour l'instant. Nick. Nick, nick, nick. C'est donc parti. Là, on est d'accord que là, on va juste se laisser porter par le courant. C'est parti. T'as tapagué au moins? Ouais. Mais là, c'est pas... C'est pas une strat, ce qu'on fait. Mais... Moi, en fait, à partir du moment où je suis sur ce bateau et que je peux pas utiliser ma pagaie, j'ai envie de désinstaller le jeu. Je trouve ça franchement, je trouve ça un scandale. C'est un scandale. On va pas aller très vite, là. Ah, on va vite, quand même. Hein. On s'éloigne vite, quand même. Ouais, ouais, je trouve. T'as dit quelle heure? Ça... Non, c'est juste ma montre qui dit qu'on va mourir, c'est pas grave. Ah, ok. Oh. Oh merde, on va mourir de soif. Oh, on a... C'est bien parce qu'on a pris de l'eau. Eh, de l'eau, on en a tout autour de nous d'abord. Oh putain, ça commence à tanguer vachement là. Attends, c'est normal ou pas? C'est toi qui tangue ou pas? Non. Oh, il est trop tard pour faire demi-tour. Merde, merde, on est foutu. La pagaie est censée fonctionner. Bah, de toute évidence. Ah, il pleut, tu ouvres ta bouche et tire la langue. Attends, j'essaie une strat, j'essaie de faire clic droit pour m'auto-porter. Ah, ça a pas l'air de marcher. Bon, ça s'est éloigné là. Putain, le mec il doit faire ça en vrai, il est dans un grand regret. Oh, ma pagaie elle... elle va dans d'autres sens. Oh là, est-ce qu'il commence... Si, mec, c'est dans une tempête, il se passe quoi? Ah, ça s'assombrit un peu. J'ai peur que ce... J'ai peur que ce soit pris dans une tempête là. Eh, en vrai, on est presque arrivé hein. Enfin. On est presque à mi-distance. Non, non. Si. Mais non, mais je crois que tu vas être pris dans une tempête. Je crois qu'on est dans une tempête, Damien. Oh là bah, oh là oh là oh la vache. Non, bah, oh là bah, oh là. Tu vas être en équilibre là. Oui, 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 c'est moi qui me déplace. Je me déplace pour pas tomber là. Oh là. Mais c'est pas possible. Là, il faut s'allonger sur la planche et la gripper. Plus vite. Ouais, mais si elle se retourne. Plus vite. Il y a ta montre qui te dit que t'es une tempête là. Il y a ma montre qui dit qu'il y a un peu de pluie prévue à 15h. Mais tu vas pas pouvoir tenir comme ça. Tu vas pas pouvoir tenir comme ça longtemps. Bordel de merde. Si, on avance. Et on a toujours le cap, presque. Attends, j'essaie de tourner le bateau pour avoir le cap. Ah, ça veut pas. Eh, pour l'instant, je suis vraiment un surfeur. Non, mais techniquement, si tu t'allongeais sur la planche et que t'as grippé avec tes deux bras, c'est bon. Ah, bah j'aimerais bien. Ouais, je suis en train de dériver, fais chier. Oh non. Je peux aller à l'eau et tourner la... Non, 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 non. Mais on n'avance plus. Je sais, peut-être, mais qu'on s'en rend pas compte. Ouais. Ouais, c'est possible. En tout cas, on est bien loin de l'île. Hein. Ouais, ouais, on avance, on avance. En fait. Pas sûr que tu puisses remonter. Si, si, space to climb. Le fameux space to climb pour pouvoir... Oh, la grosse vague. Oh, la vache. Ne regarde pas derrière. Elle n'existe pas. Voilà. Oh putain de merde. Il est retourné. Il est retourné. Oh non. Oh non. Il est retourné. Oh. Pousse avec ta tête. Oh. Peut-être que les requins ils ont peur des tempêtes. Tu l'utilises à l'envers là? Je ne sais pas ce que j'ai fait mais... Oui.
Ça avance toujours ou pas à l'envers? Je suis à l'envers? Je suis à l'envers. Bah oui, le truc est à l'envers là. Attends, comment on fait pour savoir si tu fais du surplace ou pas? Essaye de mesurer l'île pour voir si, si sa taille change. T'as pas un compas? Oh putain! Oh quel temps de chien! Le mec il réagit super bien! Oh quel temps de chien! Attends, on se rapproche ou pas là? On rend même pas compte. Bah, regarde là ta boussole. Tu veux pas regarder la boussole? T'as pas une touche à maintenir? C'est mal fait. Bon, c'est pas la seule chose mal faite de ce jeu. Oh, je crois que ton radeau est en train de couler. Je crois qu'on... pour pagayer. Bah non. Bon, les gens l'auraient dit depuis le début, il y a bien des connards qu'on verra. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Je vois plus l'île, elle est où? C'est celle-là? Oh là. C'est... Ça c'est... Ça c'est la nouvelle. Non c'est celle-là. Non ça c'est la nouvelle. C'est celle-là. Allez, par là. Mais est-ce qu'on continue d'y aller là? J'essaie de la déplacer avec le clic droit mais je pense que c'est... c'est une des seules choses qui est bien faite dans le jeu, c'est que je peux pas déplacer quelque chose sur lequel je suis. Oh. On se rapproche, j'ai l'impression quand même. Hein. Ah oui, oui, là on y est. Bon, je dirais pas qu'on y est presque, mais on a bien avancé. Mais attends, tu te rends compte la chance qu'on a que le courant il allait par là? Bah ouais, de ouf, surtout dans une tempête. Fini à la nage, bah on a vu des requins donc. Et enfin, à chaque fois qu'on allait dans l'eau, il y avait des requins. T'es quand même loin là. Hein. Ah, on va pas du tout dans le bon sens là. Et en plus, si je tombe à l'eau pour remonter, c'est pas sûr. Hein. Mange ta ration? Ouais, c'est vrai, ça mange ta ration. Mais c'est con, t'as pas le droit de prendre un truc dans ta main. Parce qu'ils considèrent que ça va être un slot en plus. Ah, j'utilise ta boussole là. Ah bah voilà, c'est ce que t'étais accroupi. Bon. J'ai l'impression qu'on va à droite. Moi aussi. C'est cette impression. Qu'est-ce que tu penses de sauter et de nager? ça se tente, mais je crois qu'on va pas avoir le choix parce que je vais bientôt mourir en fait. Allez go. Foutu pour foutu! Allez, nage! Ta boussole sera pas de nous rendre utile. Nage avec ta pagaie! Je vais me faire croquer le tu cul vas dans vite, 3, vas très, très vite. 2, 1, croquage de cul. Ok, tout par va bien. Contre, tu sais que t'es pas un poisson. Je voulais rappeler des règles élémentaires quand même de survie. Non, ah, tranquille, je la regarde ma barre. Derrière toi, y'a pas de requin. J'ai pas envie de regarder. Allez. Mais pourquoi t'as cette manie de vouloir nager sous l'eau? On est bien sous l'eau. J'entends un requin qui nage à toute vitesse derrière toi. On voit non, plus ça flotte pas un requin. On voit plus mon radeau. Non mais je cherchais l'aileron. Oui oui c'est les dents de la mer là. Et bah voilà des eaux plus sympas sans requin. Ah oh, on va se refaire une petite vie. Ouais. Okay. Et bah là dessus il y a au moins quoi 10 feuilles. Ça va être ouais cool. Mais sauf que tu manques tous les... Bon c'est pas grave. Sauf si que t'arrives à faire un bateau que tu peux contrôler tu pourras retourner sur l'île. Un bateau complet là. Oh putain, laisse tomber. Sauf que là mec t'as plus de quoi de. T'as plus de feu de camp, t'as plus de baraque pour sauvegarder. J'ai rien. Faut que je me remette de la vie parce que je vais crever.
Oh putain, pustule de merde. Ah c'est dégueulasse, putain. On dirait que tu voulais croquer en plus, tu mets ton bras vraiment près de la bouche. On dirait des trous. Alors, ça, mais c'est vrai qu'elles ont pourri, hein, c'est devenu des trous. C'est des crevasses. On dirait un adolescent qui s'est mis trop de, tu sais, de produits pour plus avoir de boutons d'acné. C'est dégueulasse. Du coup ça fait des trous. Attends, attends, c'est quoi ça? C'est un coffre. Oh, tu m'as fait peur, elle. Oh. On va mais établir... Y a plus de requins. Non. On va établir notre campement ici. Elle a l'air très verdoyante, cette île. Hop. Notre boussole au même endroit. Et notre pagaie. Allez, c'est parti. On va commencer par le loof. Loom. Ah, tu veux collecter d'abord toutes les feuilles de l'île? Oh, tu sais. Je vais faire comme ça vient. On verra. Attention, tu n'as pas forcément beaucoup de place. Loom, 6 bâtons, c'est bon. Maintenant, il faut plein de cordes. 4 cordes, donc il va me falloir 16 feuilles. Et ça te sert à quoi, le loom? C'est un métier à tisser pour faire du... du tissu. Ah, c'est pour la nouvelle boutique Wankil. Exactement, on les fait ici nos vêtements, sur cette petite île déserte. Tu sais qu'il y a un serpent? Il était juste en haut. J'ai besoin de ça cependant. Il est à ta droite, à ta droite. Là, là. Ah le bâtard. Ok. T'as faim, est... t'as très faim, t'as très faim. Noix de coco, noix de coco. Ouga, ouga. Ouga, ouga, ouga. Ouga, ouga, fin. Ah. Oh, elle est tombée, fin, ouga. Vite. Voilà, calme-toi là, c'est bon, je suis en train de... Mange. Attends, attends, j'essaye. Ah bah t'avais une boîte de conserve avec de la bouffe. Ton couteau s'est pas pété. J'ai plus de couteau. Ouais, je crois qu'il s'est pété. Quoi? Oh mon dieu, les coups de soleil. Je t'avais dit de mettre de la biafine. Putain, faut que je m'en refasse un couteau là. Sérieusement. Il faut quoi pour en faire un couteau? Ah ouais. Oh non, tu vas me les manger si tu les cueilles. Plus tard. C'est ainsi que l'un que devient un chasseur-cueilleur. Quelle vie de merde. Oh putain, un petit porcelet. Tu sais pas nager. Ah le bâtard. Tu pourras pas t'échapper, c'est une toute petite île. Oh! Sale porc! Tu l'as bien tailladé ce porc! Chope-le, chope-le! Ah, c'est pas mon bon couteau, ça va marcher quand même! Mais comment il est né sur cette île? Mais coince-toi un peu là! Putain, il est insupportable! Oui, je sais! Attendez, on va le manger! Je vais le manger, mais attendez 2 secondes! J'imagine une musique hyper hyper rapide. Oh, il sait nager, putain. Trop fort. Je crois que tu peux pas le tuer avec ce petit couteau. Je lui fais des entailles. Putain, là tu le blesses. Même pas physiquement, juste dans son ego. Oh, il m'a saoulé. Il a eu le temps de faire une pause, hein. Putain, l'enfoiré de merde. Bon, vas-y. Ouais, je sais, putain. Je suis dans la même galère que toi, la montre, là. Loom. On va faire un loom, mais... T'es où, ma base? Là, à gauche. Ah, fais chier.
Pierre, ta gueule, casse-toi toi, casse-toi. Oui. Eh ben, ça fait de la ficelle, hein. Alors, on le rappelle, hein, c'est brodé en France. C'est fait artisanalement, pièce par pièce. C'est vraiment incroyable, hein. Non. Alors, maintenant, on va revenir au bateau. Non, mais il faut que je fasse le nécessaire pour survivre, hein, je pense. Un bandage, ça va me servir à rien. Bah, il faut que je. Comment je vais. Est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent m'aider sur cette. Faut que je trouve une solution en fait. Avant tout. Bah, tu vas commencer par prendre du synthol parce que ça fait combien. Ça fait 4 semaines que t'es pas lavé les dents. Bah là. Je pue la merde là. Des ressources là, minables. Tu te grottes, là dans ces rochers là. Ce serait cool. Là-dedans là. Avec la bouffe. Dedans, des médicaments. Des coffres. Des pneus. On avait besoin de pneus tout à l'heure. Ouais, on va pouvoir faire une bonne base avec des pneus. Attends. On va revenir sur l'île de Attends, base. La blague n'est pas terminée. On va sur l'île de base. Ah, de retour sur notre petite île. Non, là, je refuse. On était refuse. Tout là-bas. Je refuse. Tout là-bas. On est là. Je refuse. Je vais me donner au requin. Va te donner au requin là. J'en ai ras le cul. Il est quelle heure? Il est l'heure de faire se manger. 7h46, c'est l'heure de se donner au requin. C'est l'heure d'être une sardine, allez hop. Hey, bonjour. T'es petit mais t'as de l'appétit peut-être. Non, lui je crois qu'il est trop mignon. Oh putain, t'es une merde. Il est dans le gang de requins, lui c'est celui qui est un peu bêta. Je vais faire de la plongée. Ah. Oh, une Raymanta! T'as profité de ce moment pour explorer? Je m'accouple avec elle. C'est beau! Mais quand il remonte à la surface, il lâche des gros rots! Ouais! Respirer! Eh, mais vas-y, mais le requin il est juste là quand il faut pas en fait, d'accord. Eh, tu pourrais peut-être crafter un masque et un tuba d'Hécatlon? Ouais, c'est sûr. Je pourrais aussi explorer les fonds marins. Non, allez. Là, la pression doit te faire mal au tympan. J'ai trop mal au tympan, je remonte. Il n'y a même pas de regain quand on se fait bouffer. Oh. Bon, bah merde. Je me noyais comme une merde. C'est une honte. Putain, mais je reviens pas, quoi. On est mort en montant une échelle. C'est tellement 2012, tellement DayZ. L'échelle est à éjecter. Allez, on dégage. Faudra un petit ralenti de ça. Vous êtes des piranhas, s'il vous plaît? Non? Code? Vous êtes Call of Duty? Ok. Très bien. Pas de problème. Oh non, si proche de la surface. Ah, ma montre me dit que je suis en train de me noyer. Heureusement qu'il y a une montre qui te le précise. Alors, empoisonné, déshydraté. Ah, je suis en train de me noyer. Ah, toi, y a deux. Je l'avais pas vu. Ah, je vois tout noir. Tu vas peut-être te réveiller, c'est un rêve. Allez, nique ta race. Ta mère, je... Pue la merde. Tu me saoules. C'est un scandale. Bah, je comprends pourquoi le jeu est désagréable, mais ce qui m'étonne quand même, c'est que le jeu est sorti depuis très longtemps. C'est 2015, hein. 2015, normalement, t'as le temps de fixe, hein. Sans sens, tous ces trucs-là, tu les règles, quoi.